Bonjour et bienvenue. On a ce problème de frais toutes les 2 secondes maintenant. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quand je relance la partie, des fois ça le fait. Sur les biomes qui sont un peu chargés. Ou alors c'est peut-être le liquide qui veut ça. Alors je vais montrer pourquoi je parle de liquide. Parce que, alors, en tout cas j'ai bien fait de faire une pause pour faire cette map. Ça m'a pris un bon 3-4 heures. Ouais. Pour le moment, dans la série, je crois que le plus long, ça a été notre biome principal. Où ça a pris, je crois, 3 épisodes pour faire vraiment le tour. J'aurais bien voulu faire une base comme ça dans le biome principal. Genre, pas trop large. Nous, elle est un peu plus large que ça. Elle est un peu plus sur les bords et tout ça. Mais c'est pas très grave. Mais voilà, donc ça nous a pris à peu près, je crois, 3 épisodes pour la finir. Et après, on a fait genre d'autres avant-postes. Ça a pris à peu près 2 épisodes maximum. Celui-là, ouais, ça aurait pris genre 4 épisodes. Ça aurait été un peu trop. Surtout que c'est du pareil au même. Alors pourquoi ça m'a pris autant de temps? Parce qu'en fait, si vous regardez, vous voyez plein de tubes. Et en fait, c'est tout des tuyaux pour la vase. J'ai tout connecté en fait. Toutes les mares en fait qu'on avait dans la base et proche de l'extérieur de la base et tout ça. Genre là, on en a une très très grande et tout ça. Et on peut aller regarder ça. Ce lag est tellement chelou. Genre quand je joue et que je construis, ça le fait pas. Puis après, je quitte le jeu, je reviens sur le jeu, ça le fait. C'est super étrange. Il y a vraiment un truc, un problème. Vraiment un problème. C'est très bizarre. Donc j'ai fait des réserves ici pour vous montrer. Donc 348K de vase. I'm seeing very dark and heavy clouds on the horizon. Their composition suggests acid rain is coming. We have to prepare quickly. We won't be able to build anything while it's raining. Ok, super cool. Et vous voyez qu'on a plus 16,6K par seconde de vase. Donc j'ai vraiment connecté énormément. Et bien sûr, on a encore plus. Hein, si vraiment on veut encore plus de vase, on peut faire facilement, je sais pas. Avec tout ce qu'il y a, on peut faire sûrement 40K, 50K de vase par seconde peut-être. Avec toutes les trucs qu'on a. Donc c'est énorme, c'est énormissime. Après j'ai fait des réserves de gaz, donc on est à 240 en tout, et on utilise, donc on consomme 2250 par seconde. Enfin, non. Oh là là, on produit 2250 et on utilise 2200, donc c'est parfait. Donc là j'ai rajouté des usines à gaz. Là on va en rajouter quand ça sera fini aussi. Enfin quoique non, en fait on va partir honnêtement. Là il y a des pompes, là il y a aussi encore des... putain c'est tout ça, okay. On s'en fout. Là aussi il y a encore des générateurs et tout. Donc niveau courant en fait on est très très bon. Encore une fois on utilise la vase et tout. Et ce qui est intéressant à savoir, tiens... Qu'est-ce que c'est relou de jouer avec ce freeze là, oh là là... Enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tellement de vases, vous avez vu que j'ai à peu près... Ouais, non, il y a un problème avec ce... Enfin bref. J'ai plus 16K, 16,6, et on utilise 12,4K de vases, c'est énorme. Donc en gros, en fait, on utilise une partie donc, pour créer du coup du gaz. Je crois qu'on utilise à peu près 6000 de vases, je crois. Et on utilise aussi une partie pour en faire de l'eau. Ce qui est intéressant à savoir, c'est vrai que j'ai jamais fait attention, c'est que ça par exemple, ça peut utiliser de la vase. Il faut 200 vases pour 100 d'eau, je crois. Mais si vous utilisez de la boue à la place, donc par exemple là, vous avez besoin que de seulement 100 de boue pour faire de l'eau. Donc voilà, donc la vase, il faut consommer plus de vases, mais vu qu'on a plein de vases, donc voilà, on a 3 lignes qui sont fonctionnelles. Après la 4e ligne, j'en ai pas besoin. J'en ai pas du tout besoin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Normalement, ça va réparer. Ah, oh, j'ai coupé, ça a cassé les tuyaux. Oh voilà, voilà le gros lag. Ok, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà,
tout devrait se faire reconstruire de toute façon. Tiens, oui, en parlant des tuyaux, en fait, vous avez vu qu'il y a un gros lag. En fait, c'est parce que on a énormément de vases et tout ça. Donc, regardez si je coupe ça, par exemple. Regardez comment ça va laguer. Enfin, peut-être que si j'en coupe qu'un seul, ça va pas vraiment laguer. Ah, vous voyez? Le gros freeze. Parce qu'en fait, ça recalcule tout. Ça recalcule tout. Et du coup, ça lag énormément, j'ai remarqué. Ah, donc voilà, ça c'est un petit détail. Bon, après, là, les lags de temps en temps, je sais pas d'où ça vient. Enfin bref, donc on a ça. Et j'ai mis énormément de choses. Donc j'ai mis des cultivateurs et des récolteurs. Les récolteurs, j'ai fait le bourrin. Hein, j'ai vraiment fait le bourrin. Donc il y en a plein partout. J'ai fait des lignes en fait de récolteurs. Si vous regardez la map, vous voyez. Donc toutes ces grosses lignes, ces lignes larges là, ce sont des récolteurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Donc il y a 5 lignes de récolteurs en fait, je les ai mis tous les uns après les autres, je me suis pas fait chier. Ça consomme énormément d'énergie, mais comme j'ai dit, on a plein d'énergie de toute façon. Et après, on a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ou 19 cultivateurs. Et ils ont tous des trucs super rares. Alors après, maintenant, il y a aussi des ressources en fait qu'on n'a pas recherchées. Donc on n'est pas censé avoir, on n'est pas censé les récupérer. C'est par exemple ça, l'uranium. L'uranium ne marche pas. On n'en récolte pas là en fait. Même si en théorie on devrait, mais on n'en récolte pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas encore recherché, on n'a pas encore fait les missions. Donc ça, c'est bon à savoir. Et il y a un truc aussi, c'est que il y a des choses en fait qui sont indisponibles dans le biome. Et honnêtement, je me rappelle pas de ça, du fait que certaines plantes en fait pouvaient pas pousser dans certains biomes. J'ai dû l'oublier, hein, je pense que c'était comme ça au début du jeu aussi, j'ai dû l'oublier. Mais par exemple dans ce biome d'acide, c'est impossible, ou alors peut-être qu'on n'a pas la plante pour, hein, peut-être, mais ça m'étonnerait, mais je crois que c'est impossible d'avoir la ressource bleue. Alors attendez, alors la tanzanite on peut. La tanzanite on peut, mais c'est la bleue que je veux, c'est celle-là. C'est le fer d'onite. C'est impossible de faire pousser des choses en fait qui donnent du fer d'onite dans le biome d'acide. Donc du coup je suis retourné en fait, on va s'équiper, parce que de toute façon on va partir, hein. Ça sert plus à rien de rester là. Donc on va tout simplement partir. Et on va faire des missions, on va avancer. Donc je suis retourné en fait dans l'avant-poste 1. Et j'ai changé et quasiment toutes les plantes en fait en fer d'onite. Donc on est à plus 13.1. C'était peut-être un peu abusé, j'avoue. Mais du coup on est à plus 13.1. Donc voilà, ça monte. Parce qu'on était déjà à 80, 120k et tout ça. Il n'y a que la fer d'onite qu'on était à 1000 parce qu'en fait on n'en récoltait pas. Donc voilà, maintenant on en récolte. Le palladium aussi est au max et tout, et on en continue d'en récupérer. Donc ouais, c'est vraiment cool. On a bien avancé. Donc voilà. Après pour les plantes, genre les types de plantes que je récolte, on a quoi? On a plein de choses en fait. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et en plus on a genre du ferronium. Et tous les trucs qu'on a déjà en fait de base. On pourrait retourner au quartier général. Non, on va continuer. Comme j'ai dit, on va continuer les histoires. Genre la redonner, mission noire. Je pense qu'on peut faire échantillon d'uranium. Normalement, ça devrait nous le débloquer. Donc on va faire ça. Donc ouais, là on a vraiment un très très bon bio, mais puis de toute façon ça sert plus à rien d'y retourner maintenant, je pense, avec plein de types de plantes. Et en théorie, comme j'ai dit, une fois qu'on aura donc débloqué le titane et l'uranium, on va pouvoir récolter ça aussi avec les plantes. Parce que le titane, pareil, on n'a pas la recherche, donc il faut qu'on fasse la mission pour ça.
Et après, en théorie, on a fini, hein, on a fini le jeu. Après, il faudra juste aller sur le biome principal et faire les nouvelles choses, genre le plasma, les trucs comme ça. Rift jump successful. I am detecting a very high background radiation in this area. It is dangerously close to the safety limit of my armor. Good. This means that we really are onto something. I don't expect to find uranium rods lying around. Let's use the geoscanner to search for some ore. C'est parti. Map. Okay. Ah, très bien. C'est possible que on doive faire une. C'est possible qu'on doit faire un avant-poste ici. Pour aller miner l'uranium, peut-être. Je pense que ça aurait du sens. Mais je pense qu'on va faire un truc très vite. C'est-à-dire on va faire un petit poste, des ressources vite fait, et on va... mettre des foreuses et tout, puis après on se casse. Honnêtement, j'ai pas vraiment envie de... Putain, il en faut 500, t'es sérieux? J'ai pas envie de me taper un truc qui va durer longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, c'est marrant de faire des bases, comme j'ai dit, mais après, ça devient un peu toujours la même chose. Après, bon, c'est le jeu qui est comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu, quoi. Surtout, comme j'ai dit, c'est une fois que vous les avez faites, vous y retournerez jamais, plus ou moins. À moins que, genre, on dé... La fin, non, honnêtement, on a assez de... de types de plantes. Et tout, donc on a vraiment pas besoin d'en avoir des nouvelles. Mais oui, si jamais on découvre d'autres choses, on peut, je sais pas, je dirais... retourner sur des anciens biomes et rajouter des trucs, mais au final ça sert pas à grand chose. C'est une fois que c'est découvert, une fois que c'est fait, quoi. Genre ces plantes là, on découvre plus d'ADN et tout ça, mais on peut déjà les utiliser, quoi. On peut déjà les planter depuis un moment, donc. Ah oui, je peux vous montrer du coup la récolte. Donc ça c'est l'avant-poste 1 avec la ferronite. Et nous là on a l'avant-poste 2. Donc vous voyez que même le ferronium, alors que c'est pas ça, normalement on devrait pas en récupérer parce que c'est pas le truc principal qu'on a fait. Mais avec les plantes elles en donnent tellement, du coup on est à 149 par seconde. Là le palladium on est à 8, carbonium, même le carbone on est à 24. Vous voyez que l'uranium et le titane c'est 0 parce qu'on les a pas encore recherchés. On a 45 de biomasse aussi, mais on en utilise pas mal, mais il y en a déjà sur l'avant-poste 1.
Ah, quoique non, on en utilise plus parce que j'ai mis que des cristaux bleus en fait. Peut-être que la biomasse végétale va baisser au bout d'un moment, on verra. Azénite 4, rhodonite 3, tanzanite 5-5, donc c'est très très bien, très très bon. Ouais. Faut voir là, du coup, vraiment si on perd, on a 666. Non, ça fait que monter. Non, non. Ouais. On est bon. Ashley, this is our lucky day. My sensors are picking up a larger underground uranium deposit. I've marked it on our map. Ah, parfait. Excellent. Let's go there immediately. Oh mon dieu. Est-ce qu'on les a tous analysés ou pas? Rayon de l'aube. Ah, c'est pour ça qu'ici c'est élevé le danger. Hein. Mais bon, on est bien équipé. Ouais. You can try to figure out a different solution. Thank you for the advice, Mr. Riggs. Voilà. That's very helpful. The weather is clearing up. I can see everything again. Let's hope this doesn't happen again too soon. Eh ben, quel bordel. Oh. ...460, ça va. Non, des cristaux partout. Ah, il me faut une tourelle. Non, c'est pas grave. Chercher des cristaux à analyser. Ah, peut-être que là, en fait, on va pas devoir mettre un quartier général. Non, ils vont nous dire... Une fois qu'on aura fini l'analyse de l'uranium, ils vont nous dire qu'on va trouver un autre biome. Je pense que, honnêtement, l'uranium, on a besoin de beaucoup... Je me rappelle plus vraiment, honnêtement. Mais je crois qu'on va en avoir besoin de beaucoup, donc il faudrait... Il faudrait faire un camp. Oh, t'es quoi toi? T'es mort. Très bien. Merde. Il y avait une cache quelque part.
Très bien, allez. Oh putain, c'est pas... c'est pas de l'uranium. Larger uranium ore deposits that could be mined autonomously. Now that we know the type of uranium ore that is present in this area, we should download the appropriate uranium handling technology to be ready to set up a mining outpost. Ashley, we can use the radiation signature of the uranium. Attends, stop. Parce que maintenant on doit, voilà. 40 secondes, très bien. Ore that we gathered to calibrate the orbital scanner. To search for more significant deposits. It's like following a breadcrumb trail, but I feel that we're getting closer. Mm-hmm. The earthquake is over. The tremors are getting weaker and weaker. We should quickly repair whatever's been damaged. Bien. C'est vrai que c'est marrant quand même ce bouclier. Bon, ben voilà. Je pense qu'on peut se casser maintenant. Ah! Rayon de l'aube. Eh ben putain. Ça c'était du combat. Alors, parfait. Voilà, maintenant on a centrale nucléaire, centrifugeuse pardon, d'uranium. On aura 1, 2 et 3. Donc ça aussi ça va nous plaire. Ça va nous aider pour craft pour de l'énergie si on en a besoin. Faudra aller récupérer le titane. Donc qu'est-ce que tu m'as trouvé toi? Une autre zone. Mission réussie. Tu m'as pas trouvé une autre zone. Ah il faut peut-être. C'est 2 minutes nucléaire, attends. Il n'y a pas autre chose. Centre fer d'onite, rhodonite. Titane. Ouais, on va faire ça. Yes. On va faire ça. Comme ça, on aura les deux dernières ressources qui nous manquent. Et honnêtement, on aura, comme j'ai dit, on aura fini. Il faut faire juste les recherches pour débloquer les derniers bâtiments et tout ça. Puis après, c'est bon. Ça va être un peu chiant, c'est sur notre base de la consolider avec les nouvelles choses et tout, j'avoue. Parce que comme j'ai dit, elle est tellement grande, j'aurais peut-être pas dû faire un truc aussi grand, honnêtement. J'aurais vraiment pas dû. Nearby volcanic eruption detected. Oh wow. Watch out for falling debris. Non mais je viens d'arriver. Mr. Riggs, can you track the incoming rocks that pose a threat to your armor? Affirmative. I have enabled projectile hit prediction and am actively marking estimated collision locations.
Evade these markers as soon as you see them. We only have a few seconds to act. Okay, this mission is going to be intense. We'll have to dodge volcanic bombardment and search for Titanium at the same time. Ashley, the orbital scanner detected titanium deposits hidden underground. If we can gather enough titanium from this area, we should be able to study the geological composition of titanium-rich ores present on this planet. The next logical step will be to establish a permanent titanium mining outpost. That makes perfect sense. Equip the geoscanner and let's start hunting for treasure. Ah, du coup, vu qu'on a débloqué, qu'on a fait la recherche d'uranium, tu vois un peu, comme je, ce que j'avais expliqué, le fait de l'avant-poste donnait pas d'uranium. Ah, on est toujours à zéro. Ah, ok. Ah, ça c'est bête ça. Je sais pas pourquoi on reste à zéro. Parce qu'on n'est pas encore assez élevé dans les recherches. Faut peut-être... Ah, si, voilà, faut ça. D'accord, ok. Parce que là, on peut le percer le traitement de l'uranium brut, en fait. Et ça, c'est l'uranium qui est déjà... Plan nécessaire pour installer des centrales. Ah, ça suffit de créer un combustible d'uranium enrichi et nécessite à alimenter l'énergie. Ouais, une fois... Normalement, si on... quand on a fini ça, on va pouvoir en récolter. Quasiment certain. Avec les plantes, hein, je parle. Ah, mais c'est une toute petite zone, d'accord. Ouais, on va vite se casser d'ici. Excusez-moi, faut bouger. Ah voilà. Ah, c'est bon, il a trouvé un endroit pour l'uranium. Vu qu'on a fini la recherche. Ah putain, encore. Alors maintenant, si je dis pas de conneries, alors déjà il y a ça, un poste d'extraction d'uranium, uranium brut élevé, tanzanite élevé, donc on pourra faire ça, et là on a toujours à zéro. Faudrait peut-être y retourner, peut-être, je sais pas, quand on aura fini ici, on y retournera, on verra si ça déclenche pas quelque chose. La recherche complétée. Ah, parce que c'est bizarre, uranium. Ou alors, il faut vraiment finir cette mission-là. Portail, poste d'extraction d'uranium. Ouais, faut peut-être finir cette mission-là pour débloquer le fait d'en récolter avec les plantes. C'est possible aussi, ouais. Oh mon dieu. Je peux pas me trouver un endroit avec plus de titane là? Putain, ma tourelle. Ah,
On a détruit un gros là, ça nous a donné 3 mods, c'est pas mal. Nickel. C'est plutôt sympa ça. On peut pas mettre de tourelles dans ces dans les zones là avec les cailloux, les rochers magnétiques ou je sais pas quoi. Merde, j'ai détruit la plante, j'aurais pas dû tirer avec ça. La tourelle, elle va prendre des dégâts en fait. Je sais pas si elle aura le temps de tout scanner. On va en mettre une deuxième. Là, ouais, j'ai un peu oublié de faire ça pendant qu'on avançait. Oh merde! Va te calmer toi! C'est vrai qu'on est bien, on est bien équipé. Hein. Il y a l'écran qui devient noir parce que on se fait bombarder directement quand le bombardement commence. C'est très bizarre. Je vois, ça me fait un peu sursauter. Rayon de l'aube, protège-nous. On a pris cher. On a pris cher. C'est pas sur le sol gelé. C'est reparti. Mais il y a une tornade. Ah non, c'est un symbole de tornade, mais c'est pour dire que ça tombe en fait. Oh mon dieu.
Putain, encore heureux qu'on est bien équipé, hein. Putain. Bon, tu peux me trouver un endroit, non, non. Genre, juste un endroit avec plein de titane, parce que là... C'est peut-être un peu exagéré, là. On est à 201. 270, c'est bon, putain. Ah putain. Je sais pas trop ce qui se passait, mais... Peur, toi. Nickel. Ah, presque. Pourquoi c'est 505? Pourquoi pas 500? C'est ça que je comprends pas, va rendre. Devrait être bon. Ouais, elle tombe dans la lave, c'est bien. Rayon de l'aube. J'ai l'impression que les différences de niveau, des fois, ça comptabilise pas les dégâts du coup. Bon, là c'est bon. Yes. Ok, alors avant que tu parles... Hop là. Mission accomplished. We've gathered enough titanium to be able to study its geological presence patterns on Galatea 37. Excellent. Let's queue up downloading of the appropriate titanium handling technology. Mince, qu'est-ce que je viens de faire? On a une perceuse en ce moment, apparemment. Donc j'ai voulu couper le son, sauf que j'ai appuyé sur un des F pour couper le son du micro.
Et il y a un DF qui est sauvegardé et chargé, je crois. Je vais devoir couper tout ça. En fait, mon F pour couper le micro, apparemment, c'est chargement rapide, je crois. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On va devoir changer ça, désolé. Ah là là, quelle merde. Ouais, ça c'est un chargement rapide. Aïe aïe aïe, désolé, je passe pour un idiot. C'est bien. C'est quoi les touches pour charger rapidement? Sauvegarde rapide, chargement rapide. Voilà. Du coup. Est-ce que j'ai merdé mon jeu? Charger un fichier, enregistrer. Sauvegarde auto. C'était ça. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Je sais pas. Oh, on devait quasiment être fini là. Ça, c'est le problème quand je refais pas les F. Parce que la plupart du temps, c'est sur F7, F8. Les sauvegardes rapides, c'est vrai. Et en fait, j'ai mis tout simplement couper le micro. Oh là là, comme on est loin. Oh, fait chier, quoi. Désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'ai des... Sur F6, F7, F8, j'ai genre coupé le micro de Discord, me rendre sourd sur Discord et couper le micro de OBS. Et j'ai ça depuis des années maintenant, donc c'est pas comme si j'allais me déshabituer. Donc du coup, faut que les jeux changent pour moi à chaque fois. C'est pas moi qui dois changer mes raccourcis, c'est les jeux qui doivent changer leurs raccourcis. Ah, c'est vraiment un monde de merde ici. C'est con que c'est pas sauvegardé automatiquement quand on a quand on finit la mission. C'est dans les plantes? Non. Allez, encore deux fois peut-être.
Non, c'est bon. Nickel, ok, c'est reparti. Aïe aïe aïe. Hop. Mission accomplished. We've gathered enough titanium to be able to study its geological presence patterns on Galatea 37. Excellent. Let's queue up downloading of the appropriate titanium handling technology and start scanning for a good location for a titanium mining outpost. Orbital scanning in progress. We should have a good location for a titanium mining outpost soon. Quel bordel. Orbital scanning finished. We have located rich titanium deposits in a new planetary location. I have marked the rift jump coordinates on the orbital scanner interface. Acknowledged, Mr. Riggs. We will finally be able to gather larger amounts of titanium to start producing better equipment and finish the rift station construction. Let's go there to establish a titanium mining outpost as soon as possible. Ok. Donc. Donc. Je vais voir si ça augmente vachement vite. Ouais, on est déjà à 30k. Les autres, ils vont être un peu moins parce qu'on a. Non, c'est pas grave. Bref. Donc là, carbonium, fer donné, titane. Ouais, titane, très bien. Et ça, c'est le poste d'extraction. Et là on a toujours uranium titane 0, ce qui est pas... Je sais pas, je crois pas que ça soit grave, je crois qu'encore une fois qu'il faut finir les missions, c'est pour ça. Ok, on a recherché le... Research completed. Le titane, très bien. Ok, on est au niveau 3 bientôt. Ça je sais pas ce que c'est. Bon bah voilà. Voilà, voilà. On va retourner au quartier général. Ça va être la fin de notre épisode, je crois. Bah, il reste encore un peu de temps. Désolé pour le bordel avec la sauvegarde, le chargement et tout ça. C'était un peu la merde, mais bon. Ça arrive. Ouais, je suis en train de vraiment de me dire qu'on aurait dû faire une base plus petite, mais bon. Comme c'est fait, c'est fait. Après, je peux toujours prendre 2-3 heures et tout refaire, hein. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça qui est bien, en fait, maintenant. C'est que vous pouvez tout faire très vite, en fait. Refaire une base, genre tout détruire, tout refaire. C'est vraiment cool, quoi. Là, par contre, je vais avoir beaucoup de place. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Désolé, j'ai encore du bruit chez moi. Donc je pense qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter là. Par contre ça lag ici, enfin surtout quand on arrive déjà. C'est une catastrophe. Là on doit tourner à 20 fps. Fais voir. Ah, maintenant on a l'uranium brut. Non, ça oui, l'uranium brut, l'uranium raffiné. Maintenant on a le titane aussi qui s'affiche. Putain, on a 720 de plantes, c'est abusé. Donc ça c'est bien. Maintenant si je regarde. Ouais, il doit y avoir un truc où le jeu charge en fait. Désolé pour le bruit, de toute façon on va arrêter l'épisode. Je veux juste regarder ça. Voilà, alors. Avant-poste 1. Donc le titane il est pas activé. Avant-poste 2. Ouais, l'uranium titane n'est pas activé. Ça marche. C'est pas vraiment un problème comme j'ai dit. Donc la prochaine fois on va faire poste d'extraction uranium et titane. Je pense qu'on va faire titane en premier. Parce que... Enfin, c'est un peu dans l'ordre des choses. Après, qu'est-ce qu'on peut faire, vu que maintenant on a toutes les ressources de plantes là. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes ou pas? On a différents sprints. Sprint acide, c'est pas mal. Mais bon.
ouais, bof. Sprint énergie. Ouais, bof. Pas vraiment, hein. Bombardement orbital, laser. Non, on est quoi? On a laser. Ah! Je crois que je l'avoir fait, non? Non, apparemment, non. Donc, laser orbital. Ah ouais, non, parce qu'il fallait nous faire du ferdonite. Donc, laser orbital rouge. Le bombardement, on peut passer au bleu, parce qu'on a 250 d'uranium. Ah, 750. Très bien. Et après, pour les résistances... Bah maintenant, en fait, on peut... Ouais, tout faire, quoi. Blindage énergétique. Ah, c'est pour l'énergie, ok. Ça, c'est quoi? Portée du radar. Là, on a puissance du champ de force, mode ressource. Le titane, machinerie en titane, pas encore en fer, donc ça, il faudra le attendre. Matériel d'attaque, matériel de défense. Ouais, je vais peut-être prendre 5 minutes pour voir ce qu'on pourrait crafter pour nous rendre encore un peu plus résistants. Oh là là, ce bruit. Mais ouais. Ouais, je vais peut-être faire quelques trucs. Je sais pas quoi. Enfin, honnêtement, je pense pas qu'on en ait besoin. On peut complètement vivre avec ça. Par contre, en arme... En arme, il y a quoi? Les lance-grenades à faire? En rouge, est-ce qu'on peut les faire? Non, il faut de l'uranium. C'est tout. Bon, on va s'arrêter là. Et bah, c'est bien. On a bien avancé. On a bien avancé. Et notre base, ben, on se débrouillera pour la bien la faire. Genre là, des endroits où c'est qu'il y a beaucoup d'espace, on fera du plasma. Alors attendez, comment on fait les plasmas? Je me rappelle plus vraiment. Centrifugeuse d'uranium, donc ça c'est ça utilise de l'uranium brut et ça crée de l'uranium, donc ça on le mettra sur une des bases. Un des avant-postes, je veux dire. Après, il y en a quoi? Ioniseur, convertisseur de plasma. Donc, ioniseur, c'est... Ça utilise du titane pour créer du plasma. Ouais. Et après, on a le plasma suralimenté. Donc ça, c'est utiliser du plasma pour créer du plasma suralimenté. Donc ouais, ça, il faudra le faire. Le plasma, c'est en liquide. Donc c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup de place, en fait. Pour, on va dire, emmagasiner le liquide. Parce que là, par contre... Là, ça peut être intéressant en fait d'emmagasiner le liquide avec les réserves, là, les boules, parce que ça va l'utiliser pour les tirs, pour les canons à plasma. Je sais pas si on les a développés déjà. Je crois pas qu'on puisse ça. Ouais, c'est ça. C'est ceux-là. Donc il faut de l'uranium pour les créer. Et il faut du plasma suralimenté. Ouais. Et c'est moins 25 secondes. Donc quand il tire, ça part vite. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Ça part. Ah, 4000 de dégâts. Taux de tir 0,1 seconde. C'est vraiment bien. Ça a une portée giga... Bah, vous voyez sur la carte la portée que ça a. Donc, et du coup... Et je crois que... Protéger base ennemie en tirant de longue distance à combiner avec des stations radar pour tirer encore plus loin. Donc ouais, si vous les mettez bah, dans un périmètre qui est scanné en fait par un radar, donc comme ce qu'on a nous, genre là, les cercles là qu'on a,
Et bah du coup, il tire encore plus loin. Donc en gros, il faudra mettre des batteries de canons comme ça, là, d'artillerie lourde. Je sais pas, genre, il faudrait 4 grosses batteries. Genre une là, qui va tirer, qui va faire tout ça. Peut-être une deuxième ici, comme ça on aura devant. Une troisième ici. 4, 5, 6, 7 peut-être. Ah, il va falloir mettre quand même beaucoup de... Ouais, il va falloir mettre beaucoup de plasma partout. Oh, ça fait chier. Oh putain, ça fait chier. C'est pour, comme j'ai dit, hein, les grandes bases, c'est un peu relou. Hein. Mais je pense que je ferai une pause pour créer tout ça, parce que ça va prendre du temps et ça va être relou à faire. En tout cas, on va s'arrêter là. Ouais, je pense que je ferai une pause pour faire tout ça. Parce qu'il faut juste placer des bâtiments et tout, mais le plus chiant, c'est qu'on va devoir placer les tubes de tuyaux, là, pour alimenter tous les canons. Et ça, ça va être relou. Surtout sur une grande base. Ça risque d'être très, 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 très relou. Ouais, là je regrette, honnêtement. Si on met les générateurs de plasma là, on va devoir faire passer les tuyaux tout partout. Donc on va devoir faire en fait plusieurs endroits qui créent du plasma suralimenté. Sinon on va jamais s'en sortir. Ouais, non, sinon ça va être trop la merde à déplacer des tuyaux partout. Après peut-être que ça prend pas beaucoup. 25 secondes. Peut-être qu'on peut les téléporter. Ah, ça y est, maintenant on peut faire les 3. Là, c'est quoi? C'est 200 par seconde. À la limite, on peut en créer plusieurs, ouais. Pour alimenter. En fait, on fait un endroit où on récupère plein de... On crée plein de plasma suralimenté, puis après on fait des téléporteurs là, pour alimenter les choses. Mais putain, ça va être 1000 d'énergie et tout, ça va être chaud. Oh là là, on verra ça plus tard, on se prendra la tête plus tard. À la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.